بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم اما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الاضاح ونجاة الارواح للشيخ Ammar Abul Hassan Ashurun Boulali, Rahimahullah Ta'ala, Fawassalna ila Al Fasl, Al Mustahab fi aukati Sala. Nous sommes, nous continuons dans notre cours, dans le livre Nurul Idah, Wanajat al Arwah du Sheikh Ashurun Boulali, Rahimahullah. Nous sommes arrivés dans la section des temps qui sont appréciables pour accomplir les prières. Il mentionne l'isfar pour la prière de l'fajr pour les hommes. C'est appréciable que la personne accomplisse la prière de l'fajr l'apparition de la clarté c'est à dire ce n'est pas au tout début du temps mais plutôt euh, après un certain temps dès lors que la personne euh, arrive à distinguer à une distance d'environ 50 mètres il arrive à distinguer une personne à reconnaître une personne qui vient en face de lui ça c'est pour les hommes et euh, pour que la Djamara soit plus nombreuse, pour que la soit plus nombreuse. Bien sûr, ici, euh, cette appréciation de retarder le temps, ce n'est pas, pas une question de paresse, afin que la personne euh, dorme jusqu'à jusqu jusqu plus de la moitié du temps, puis après il se réveille sur le tard et il fait la prière. Ce n'est pas dans ce but-là. C'est plus dans la personne que la personne elle se lève, bien sûr, elle se lève au début du temps, puis euh, elle fait euh, elle fait du dhikr, elle fait elle, fait, elle récite des aurades, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce jusqu'à ce moment-là. Et bien sûr, elle fait aussi la sunna de l'Fajr. Thumma qalwa <'in> al-ibradu le fait d'attendre euh, que la chaleur redescende, qu'il y a un, un temps qui soit moins euh, chaud, qu'il y ait ce rafraîchissement qui arrive en milieu de journée, pour le temps du dhuhr en été, en été. C'est-à-dire que la personne, par exemple, lorsqu'elle marche dans la rue, s'il y a un mur... L'ombre au début du temps de jour, l'ombre de ce mur sera très fine, tandis que s'il attend un peu que qu'il qu y ait un peu plus qu'il retour de fraîcheur, euh, le, soleil, le soleil aura déjà pas mal décliné, ce qui fait que lui il peut bah, maintenant marcher dans l'ombre de, de ce mur par exemple ou d'un bâtiment, bâtiment. Donc en été. C'est appréciable que il retarde le temps de l'or jusqu'à ce rafraîchissement-là. Bien sûr, euh, c'est pas jusqu'à euh, la fin du temps. Ce n'est pas jusqu'à la fin du temps, mais c'est proche de la fin du temps, euh, jusqu'à ce que, jusqu dès lors que proche que l'ombre atteigne la, la hauteur de l'objet, comme on l'a vu précédemment. Et il, va, euh, il, va, il, ne va, il ne va pas retarder d'accomplir le temps de la prière de Zhor en hiver. Il sauf si c'est par temps nuageux, dans ce cas-là, il va la retarder un peu. Pourquoi S'il est en hiver, euh, où le temps il est nuageux, il ne va pas avoir... Euh, il peut avoir plus de difficultés. Il peut avoir plus de difficultés pour observer que le soleil est décliné du milieu du ciel. Donc, afin qu'il euh, qu qu se soit assuré que le temps soit rentré avec certitude, alors il retarde un peu. <tousse> également, il retarde « al-asr » tant que le soleil n'a pas commencé à devenir jaune. Il y a plusieurs utilités concernant le fait de retarder El asr mais sans retarder, comme on a dit, jusqu'à ce que le soleil devienne jaune. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, c'est un temps qui est blâmable. On le verra dans le cours suivant. Mais une, une, de, parmi les, de parmi les utilités de retarder la rasar, c'est que avant qu'il n'accomplisse le, qu le rasar, la personne peut faire plusieurs prières nafal, des prières recommandées. Mais une fois qu'il a accompli la rasar, euh, même s'il n'est pas encore dans le temps blâmable, il a accompli la rasar, il ne peut plus, il n'est plus permis à ce moment-là de faire des prières qui sont euh, recommandées. Également de parmi les utilités, il y a le fait que la personne, si elle retarde un peu leur assaut, euh, ce qui lui est demandé également, c'est qu'elle fasse la prière en assemblée, à la mosquée. Le temps qui lui reste avant que le maghreb rentre et qu'elle fasse la prière au maghreb est court. Donc lui, il va rester dans ce temps où il va attendre la prière obligatoire. Et comme le prophète l'a dit en sens que la personne euh, est toujours dans l'adoration tant qu'elle, du moment où elle attend d'accomplir la prière. C'est comme elle est dans la prière euh, par le fait d'attendre. De pouvoir accomplir la prière. <laughs> Également, le fait de, la, de ne pas retarder son temps de la lorsque le ciel est nuageux. Pourquoi Afin de ne pas, afin de craindre la sortie de son temps, par crainte de la sortie de son temps. Illa <laughs> ra'imin. Fayu fihi Également, pour la disparition du soleil, la personne attend un peu en temps nuageux pour s'être assurée que le soleil a bien totalement disparu et que le temps de l'maghreb est rentré. laisha également, il retarde la risha jusqu'au tiers de la nuit, jusqu'au tiers de la nuit. Donc si le coucher du soleil est à 18h, la nuit c'est du Maghreb jusqu'au Fajr. Depuis le coucher du soleil jusqu'au Fajr. Jusqu'à l'apparition de l'aube. Si le coucher du soleil est à 18h si 18 et le lever de l'apparition de l'aube est à 3h du matin, alors le tiers de la nuit c'est 9h. Le tiers de la nuit c'est 9 heures. Donc, il retarde la jusqu'à ce tiers-là de la nuit. S'il a retardé la jusqu'au milieu de la nuit, alors c'est mubah. C'est valable. Mais s'il retarde la jusqu'après jusqu'à après le tiers de la nuit, alors c'est blâmable tahriman, yukrah tahriman. C'est blâmable avec le péché. retarder euh, fil également, on va, on, on ne va pas retarder, on ne va pas retarder en temps nuageux. pourquoi? par crainte de la pluie. par crainte de la pluie. Euh, et par la suite, on, il pleut, on sort, les habits vont être salis, et ainsi de suite. Également, de retarder le c'est appréciable de retarder le witr à la fin de la nuit pour celui qui sait qu'il va se lever. Pour celui qui sait qu'il va se lever, pour lui, c'est appréciable qu'il retarde le witr à la fin de la nuit. Même si certains shayyur ont plus été d'avis d'accomplir la risha, de faire la sunnah raka'atine de la et d'accomplir le witr, même s'ils se lèvent après. Pourquoi Ces savants-là, ils disent si la personne meurt dans la nuit, elle aura pris les récompenses de ce witr-là. Mais c'est pas appréciable pour la personne qui n'est pas sûre qu'elle se réveille la personne qui n'est pas sûre qu'elle se réveille avant le fajr, afin d'accomplir le witr, alors pour lui, c'est mieux qu'il l'accomplisse au début du temps, c'est-à-dire après avoir accompli risha, bien sûr, et sa sunna. puis il mentionne un chapitre concernant les temps de les temps. Euh, dans lesquels il est détestable d'accomplir les prières. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam, ala rasulillah.